12e journée de Ligue 1, mesdames et messieurs, bienvenue. Ligue sénégalaise de football, professionnelle de football. Match opposant l'US Gorée au Guédiawaye FC, ici au stade Ibomar Diop. Et l'arbitre de la rencontre, M. Oumar Sagna, ne va pas tarder à siffler le coup d'envoi ici au stade Ibomar Diop. Du côté des visiteurs, nous avons le numéro 16, François Djiba, numéro 18, Modou Sendiaye, numéro 4, Babacar Diop, numéro 3, Junior Mendy, numéro 25, Maurice Gomis, 6, Mam Morsal, numéro 21, Cheikh Colly, numéro 5, Solomon Toué, numéro 7, Almami Sagna, numéro 9, Abdouli Baldé, et enfin le numéro 8, Papi Hassan Diop, sur le banc de Guédiawaye, Amdi Moustapha Diop, Soriba Silla, Pape Djibril Anne, Matar Nian, Serigne Fallou Ndiaye, Lamine Mbeng, Kabiro Diouf, entraîneur Papa Ansou Diadio. Et du côté de l'équipe des insulaires, numéro 1, Alfred Oukala Gomis, numéro 9, Pape Omar Ngalo Ndoye, numéro 6, El Hadji Adama Ndoye, numéro 2, Abou Bakrine Diouf, numéro 5, Mamadou Diata, numéro 15, Léon Nyomak Ndong, numéro 11, Mamadou Diop, numéro 10, Cheikh Abdou Diop, numéro 18, Abdourahmane Diouf, numéro 3, Abdoulaye Faye, numéro 12, Oumar Ba. Sur le côté du banc insulaire, numéro 16, Ndiogou Diop, numéro 13, Olivier Mendes, numéro 8, Fodé Goudjabi, numéro 2, Séni Mbaye Ndiaye, numéro 17, Pape Cheikh Ahmed Badiane, numéro 14, Serigne Fallou Sow, numéro 7, Ousmane Meng, entraîneur Moussa Diata. Et il y a un léger retard, on ne sait pas pourquoi, mais l'arbitre ne donne pas encore le coup d'envoi. Les 22 acteurs sont en train de bouger pour ne pas se refroidir. Mais espérons que cela ne va pas tarder et qu'on va bientôt débuter ce match. Je vous rappelle que ce match est comptant de la deuxième journée de Ligue 1. Gorée qui est sur 4 victoires de suite, c'est à souligner aussi. Guédiawaye aussi qui est très en forme, c'est pour ça que c'est un match phare. C'est le match phare du week-end. Un match au sommet. Guédiawaye en forme, Gorée aussi en pleine confiance. Donc c'est un match qui promet. Ouais, c'est un match qui promet. Gorée a battu le Guédiawaye FC l'année dernière au stade Amadou Barry. Et au match retour, ils ont fait match nul ici même au stade Ibomar Diop. Donc on va considérer cela comme une petite revanche. Et on dirait que M. Oumar Sagna ne va pas tarder à siffler. On dirait que c'est réglé. Et c'est parti ici au stade Ibomar Diop, l'arbitre Oumar Sagna qui donne le coup d'envoi. Et c'est parti. Ça joue ballon pour Guédiawaye FC. Ballon récupéré par Guédiawaye, ça joue Gorée au marquage. Ça va dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Et je suis avec mon compatriote Las des As, monsieur Salio. Alors Salio. Ouais, Ado, comment tu vas?
J'espère que yéne ci diam ma ngi nuyu gore yeb chat ba chat waaw ñoo ngi ni ci 12e journée bi match phare bi opposant Guédia SC ak US Gore Gore en couleur traditionnelle bleue Guédia way mom tamit en jaune bon ça match premier hein ça match premier en aro ouais effectivement parce que c'est deux équipes en pleine ascension en pleine forme on peut dire que c'est un choc au sommet Gore qui sort de 4 victoires de suite Guédia aussi qui fait partie des têtes donc ça promet, c'est une petite revanche de Guédia parce que l'US Gore les a battus l'année dernière chez eux, 2-1. Ils se sont neutralisés ici même au stade Ibomar Diop. Waouh. Comme vous l'avez dit, c'est un match au sommet. Deux équipes qui sont sur une très belle dynamique. Gore avec 4 victoires consécutives pour une première ici, il y a un petit championnat Sénégal, saison pour l'instant. Donc, ça joue toujours. Guédia qui a le ballon, qui essaie de jouer, qui comme on a l'habitude de le connaître, c'est une équipe très joueuse. Et bon retour de Cheikh Abdou qui s'est blessé. Mais j'espère qu'il va se relever. C'est un guerrier, Cheikh Abdou. Ouais, Cheikh Abdou, le numéro 10 des Insulaires. Un talent à suivre, Saliwa. Lui aussi qui est en pleine confiance. Il a su regagner sa place au profit des absents. Mais il est en train de s'imposer et de nous montrer son talent, vraiment. Et ça joue le numéro 25, Maurice Gomis. Et non. Coup franc pour Guédia, Babacar Diop. Babacar Diop qui va essayer de mettre dans la boîte. Tête de Mamadou Diatta, ballon qui revient sur Aramon Doyo, qui se dégage. Mamadou Diop contre Mekor pour Ras, ballon intercepté par Guédia. Dégagé par Aboubakirine Diouf. Et c'est parti. Mekor, un joueur très à l'aise balle au pied qui va obtenir la faute de Saliou. Mekor, joueur pour talentueux. Effectivement, Mekor, il me rappelle Kalilou Fadiga avec son pied gauche. Mekor toujours. Mekor qui finalement perd le ballon, mais quand même. C'est un joueur à suivre aussi. Il est très talentueux. Il me rappelle Fadiga. Je salue de passage aussi. Notre très cher Raphaël Ndong, qui est absent cause de blessure, mais j'espère qu'il va bientôt retrouver les terrains. Et petit aussi, et on note déjà un engagement sur. C'est un match très disputé. On salue aussi nos confrères de la DZTV qui ont fait le déplacement pour aussi venir faire le direct. Et on joue. Les 3 premières minutes et déjà il y a un blessé du dossard numéro 25 du nom de Maurice Gomis. Ado ci lo nek ma yañ ci jamm an wa goré wa salu wa goré ñu ci jamm bu baax parce que instant peuple insulaire dafa nek ci lancer après 4 victoires de suite donc peuple mënu lulul de content. Actuellement, on voit Gomis se tordiller de douleur par terre. Espérons pour lui que ce n'est pas grave. Le numéro 25 de Guédia FC. Effectivement. Le temps qu'il se fasse soigner. De toute façon, c'est un corner à suivre. Et je vous rappelle que à la mi-temps, on va décerner les gagnants du jeu concours que l'US Gore Foot avait organisé. Via cette plateforme, à savoir sur la page Facebook US Gore Foot et sur sa page Instagram, vous pouvez toujours aller s'abonner, aimer et partager. Ça donne de la force à l'équipe et à la communauté digitale de l'US Gore. Si vous nous rejoignez ici sur notre chaîne YouTube US Gore TV, toujours 0-8 partout. Et c'est un corner que Salomon va tirer. Corner de Salomon sur la tête de Aboubakrine. Mais finalement, c'est un 6 mètres. Et on note la présence de, si je ne me trompe pas, l'international U20 de Guédia FC. C'est pas lui. Ah, ils se ressemblent donc, ils se ressemblent.
Et ça joue toujours. Ballon sur la tête de Mamoudou Diop. Ballon finalement perdu, récupéré par Abdoulaye Seck à l'entrejeu. Qui joue avec Cheikh Abdou qui perd le ballon. Ballon pour Guédiaye FC qui joue, qui monopolise le ballon. Et on voit un net pressing de Omar Ba. Un joueur aussi à suivre. Omar Ba. Et il m'a dit que c'est l'enfant de Rebeus. Omar Ba, du plus connu du nom, sous le nom de Ras. Effectivement, ça arrive. Omar Ba qui est en pleine forme. Et le jeu continue du côté de Guédiaye. Ça se dégage. Le ballon récupéré par Abdoulaye Faye. Vite fait repris par les joueurs de Guédiaye. Le ballon qui revient dans les pieds de Omar Ba qui trouve Elhadji Aramendoye. Elhadji Aramendoye qui rate sa passe. Lui qui voulait jouer en une deux avec Omar Ba mais qui a manqué sa passe. Et ça continue. Le joueur à Elhadji Aramendoye qui a commis la faute. Coup franc pour Guédiaye FC. Et ça joue du côté de Guédiaye, le numéro 4, Babacar Diop. Diop qui joue avec son compatriote. Ballon toujours pour Guédiaye. Et ça joue de l'avant, tête de Omar Ngarendoye. Aïe! Ballon en faveur de Guédiaye FC. C'est un coup franc assez excentré pour les joueurs de Guédiaye. On voit leur coach, Papa Ansou Diadou, lui qui était au début du championnat sur le banc de Casa Sport, qui se retrouve maintenant du côté de Guédiaye FC. Coup franc bien excentré pour le Guédiaye FC. Et l'arbitre qui va jouer aux gendarmes dans la surface. On sent cet engagement de l'équipe de Guédiaye. Centre, second poteau. Elle a Armandoye au second poteau avec le numéro 7 de Girafa, Almami Sagna. Almami dans la surface, ballon récupéré par Cheikh Abdou. Dégagé finalement par Armandoye qui revient sur Gomis. Diop, Babacar Diop autant pour moi. Cheikh Abdou au marquage avec Gomis. Gomis qui trouve Babacar Diop. Ouais, comme tu l'as si bien dit, Ado. Guédiaye qui fait une très belle entrée, qui essaie de poser le ballon et essaie de jouer. Mais Guédiaye résiste et ça joue toujours. On note de beaux duels dans l'entrejeu comme ici, comme le cas d'Abdoulaye Faye qui était absent pour cumul de cartons le match passé. Mais il est revenu, il a gagné sa place de titulaire et c'est une faute commise sur Mamoudou Diatta, notre latéral. Le choc, Mamoudou Diatta au dossard numéro 5. Mamoudou Diatta. Et ça joue. Léon Dong qui va se dégager. Cherche Mamoudou Diop. Ballon dévié par Gomis. Ça joue. Faute commise par Mekor. Sur Mamour Sall. Et ça joue du côté de Guédiaye. Second poteau, tête de Cheikh Diop. Ballon dans les pieds de Cheikh Abdou. Cheikh Abdou qui parvient, qui va obtenir la faute. Qui conserve toujours le ballon et ça joue toujours. L'arbitre qui ne revient pas, ça joue. Attention à ce ballon. Tacle de Diatta sur le numéro 7, Almami. L'arbitre qui finalement siffle une faute. Faute à l'entrée de la surface insulaire. Un coup franc assez dangereux. Une faute assez dangereuse, attention à ce genre de situation, un coup franc bien placé, salut pour le Guédiaye FC. On voit le capitaine Omar Ngarendoye se plaindre. Oui, effectivement, on peut supposer qu'il y avait une faute au départ sur Cheikh Abdou. Effectivement, on voit nettement que le joueur du Guédiaye FC avait commis une faute, mais l'arbitre, vu que c'est le maître du terrain, l'a estimé qu'il n'y avait rien. Mais finalement, c'est une faute et c'est un coup franc très bien placé pour le Guédiaye FC qui entend bien ce début de match. Coup franc très bien placé pour Guédiaye FC. Coup franc pour un gaucher.
On note aussi la présence des supporters goréens qui sont venus, qui ont fait le déplacement ici à domicile, le stade Omar Diop et celle de Guédiaï aussi, pour donner, encourager leur équipe. Et c'est un coup franc pour le numéro 18, Ado. Ouais. Salut, on voit deux joueurs à la baguette. On voit Almami et Modou Sendiaye. Ce sera Sendiaye avec son pied, Almami avec son pied droit. Et finalement, ce sera Modou directement frappé. Attention, ballon sorti in extremis par Alfred Oukala Gomis. Goré, pour remercier son gardien sur ce coup, salut. Effectivement, Alfred, qui depuis le début de la saison, est en train de faire de très belles prestations. Courage à lui et voilà à l'œuvre. Il sauve Goré in extremis sur cette action qui a failli faire mouche. Et c'est un corner pour Guédiaï. Un corner, Gomis. Valentin Gomis, premier poteau, tête de Momodou Diata qui dévie ce ballon. Cheikh Abdou Diop qui va essayer de contrer, rattraper rapidement et qui obtient la faute, rattrapé par Almami qui commet la faute sur Cheikh Abdou Diop. Cheikh Abdou qui est très en jambe actuellement. Il est présent offensivement comme défensivement aussi. Et Léon qui demande à son latéral Momodou Diata de remonter. On aperçoit Olivier replacé un peu là. Et ça va jouer Léon Ndonga. Léon Ndonga qui va essayer de trouver Momodou Diop. Léon Ndonga au second poteau. Ballon repoussé par un joueur de Guédiaï, Omar Ngalandoya. Au marquage, touche pour les insulaires. Ballon toujours en faveur de Goré. Ce sera un coup franc. Et c'est leur capitaine Omar Ngalandoya, ballon d'oeil, comme j'ai l'habitude de le dire, qui va s'en charger ballon. Qui va essayer de mettre ce ballon dans la surface. Qui va essayer de viser une tête insulaire. Omar Ngalandoya, centre de Omar Ngalandoya. Tête de Boy Boubakir Ndjouf. Et ça a failli faire mouche. Mais joli, bon arrêt de François Djiba qui s'est saisi du ballon. Mais c'était une très belle action, Salih. Effectivement, très belle action de l'équipe coréenne. Les deux équipes qui se rendent coup sur coup, sur coup de pied arrêté. Tout à l'heure, c'était Guédiaï qui avait obtenu un coup franc. Et c'est l'arrêt in extremis d'Alfred. Aujourd'hui, c'est son compatriote de l'autre côté qui s'est illustré sur une tête d'Aboubakir Ndjouf. Bien joué. Et ça joue toujours. Alfred qui temporise et qui joue avec Léon Dong qui joue avec Aboubakir. Et on voit nettement le pressing de Guédiaï. Mais finalement, c'est une faute commise pour l'attaquant. Et ça joue toujours. On voit c'est Aboubakir. Finalement, il s'est relevé. Et c'est une faute goréenne. Le match premier. Et on a déjà de très beaux duels, beaucoup d'engagement pour les deux équipes. Parce que ñaari équipe yi ku ci gagner rek dalay yobou classement bi ci kaw. Parce que il y a 3 points de différence entre le premier et les deux équipes. De toute façon, le match premier, et c'est une belle passe du défenseur pour l'attaquant qui face à Momodou Diata, qui élimine Momodou Diata. Le centre dans la surface, ça joue toujours, ballon contré par Maïkor qui essaie de jouer en une touche. Ballon toujours Guédiaï. Le centre au deuxième poteau et ça finit en touche. Touche pour Goré. Ça joue, salut. Guédiaï qui a été dangereux aussi sur cette action. Touche maintenant pour les insulaires, Omar Ngalandoya qui trouve Maïkor. Maïkor, ballon récupéré par Mamor. Qui joue avec Pascal. Attention, faute. Bien, effectivement, faute sur Léon Ndonga. Léon qui obtient la faute. Aboubakir Ndjouf qui va essayer de trouver Omar Ba. Et non, ballon intercepté par Modou Sendiaye. Omar Ba qui reprend le ballon. Omar Ba. Qui conserve, qui trouve Omar Ngalandoya, qui joue en une touche avec Mekora, du pied gauche, qui joue au second poteau. Mais Cheikh Abdou Diop, je lui connais Cheikh Abdou Diop, dans la surface de Guédiaï. Attention, Cheikh Abdou Diop, commune avec Aramundé dans la surface. Non, attends, toujours t'as connu. Omar Ba qui rate sa frappe. Belle séquence des insulaires.
Quelle séquence de dessin c'est là? Ouais, belle séquence, Ardo, comme tu l'as si bien dit. Belle séquence coréenne. Gore qui est une équipe joueuse qui a marqué la plupart de ses buts par de très belles séquences collectives, comme on le voit sur cette action. Une reprise de volée de Omar Ba, mais finalement non cadré. Et ça joue toujours, faute sur Léon Dong. Gore qui se réveille petit à petit, qui entre dans son match plus tôt. Et comprenant que Léon Dong va jouer sur Abdou, et c'est une touche. Gore qui gagne une touche. Touche rapidement joué. Ballon perdu finalement par Omar Ba. Ballon récupéré dans les camps des joueurs de Guédiouaï. Ça joue toujours. Gore qui gagne une touche dans les camps de Guédiouaï. Touche jouée par Omar Ngala qui joue avec Maïkor. Maïkor pour Omar Ngala. Maïkor toujours. Maïkor, la balle est sortie. Et finalement, c'est une touche pour Guédiouaï. Ado, Machibi, tel n'est tangré. Effectivement, ça, il y a des équipes qui ont été venus pour s'étendre, pour dire la victoire. Et quand on a au début, c'est un match qui promet un jeu, un spectacle, comme vous voyez. Il y a des équipes qui ont été venus à son mort. Il y a des équipes qui ont été deux côtés. Et ça joue. Babacar Diop qui trouve Mamor Salle. Mamor, Johan Noko Babacar Diop. Babacar Diop qui essaie de trouver Almami. Le ballon capté tranquillement par Alfredo Ukala Gomis. Alfredo qui prend son temps pour jouer, qui joue avec Abou Bakrine Diouf Bouindiaï, comme on a l'habitude de dire. Abou Bakrine à l'opposé qui cherche Omar Ba. Omar Ba qui parvient à contrôler ce ballon. Omar Ba qui passe devant son commandant. Avant Omar Ba. Ballon intercepté par Junior Mendy. Joli dégagement de Junior Mendy. Version numéro 8, Pape Assi Diop. Papi Hassana. Ballon toujours pour Guédiouaï. Papi Hassana qui joue avec Babacar Diop. Babacar Diop qui trouve Mamor Salle. Mamor qui joue avec Junior Mendy. Junior qui joue avec Modou Seydiaye. Modou Seydiaye qui trouve Papi. Photo commise sur Papi. Papi Hassana Diop. L'attaquant de cette formation de Guédiouaï, Mamor, qui ressemble. Babacar Diop. Ballon qui revient dans les pieds de Gomis. Gomis face à Mamadou Diatta. Gomis qui trouve Papi Alassane. Papi qui essaie de frapper. Ballon contré, récupéré par Armandoyo. Qui joue avec Mekora. Qui trouve Cheikh Abdou dans le rond central. Qui joue avec Omar Ba à l'opposé. Omar Ba qui essaie de percer. Qui trouve Mekora. Quelle séquence des Goréens. Mekora à l'entrée de la salle. Centre de Mekora. Frappe de. Belle séquence des Goréens, Ado. Belle séquence. On voit les supporters qui pensaient que la balle allait finir au fond des filets. Mais finalement, Goré qui, sur deux actions collectives, bien joué, qui a failli marquer, mais ça joue toujours. Goré qui est une équipe très joueuse. Mais on note aussi que Guédia aussi, qui pose le pied sur le ballon et Goré qui joue sur des comptes. Mais quand même des comptes qui finissent pas mal aussi. Ça joue toujours et c'est une touche pour Guédiouaï. Ouais, Ado, comme je disais, le match est bien. Il y a deux équipes qui ont été mises, personne n'a pas joué sa morale. Poutine est que DJ Meud joue à fond et essaye de marquer les occasions. Espérons que ça sera la prochaine pour Dina Bar pour Goré. Et on joue déjà 19 minutes de jeu, toujours 0 but partout. Choc de cette 12e journée opposant Guédia FC face à l'US Sportif de Goré. Salut, un match assez ouvert, on peut dire, parce qu'il n'y a pas trop de calculs. Les deux équipes se donnent à fond. Les deux équipes montrent qu'ils cherchent la victoire et non rien d'autre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeux et beaucoup d'actions des deux côtés. Mais on sent une petite domination de Guédia sur le ballon. Ils ont le pied sur le ballon.
et ça joue toujours. Baldé, on récupère par Oman Galandoy, très en forme lui aussi, le capitaine insulaire, ça joue. El Hadj Ndoye qui parvient à récupérer ce ballon et l'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute, ça joue toujours. Mendy qui s'est dégagé le ballon, contré par Ras qui a commis une faute de main, couvrant pour le Guédiaï FC. Vous entendez l'ambiance des Sikos de Gore. Et c'est Djiba, le gardien, qui va s'effectuer de jouer ce couvrant. François Djiba, après 20 minutes de jeu, toujours 0 but partout ici au stade Omar Diop. Match phare de la 12e journée. Et Djiba qui se dégage. Tête de Omar Galandoy qui va mettre ce ballon en corner. Corner pour le Guédiaï FC. Il y a une ambiance au stade aujourd'hui, Saliwa. Effectivement, il y a une très belle ambiance ici au stade. Ibamar Diop. On voit les deux camps des supporters qui se lancent des piques, des trash. C'est une belle ambiance quand même. C'est le foot, on aime voir ça, on aime voir ce genre d'action. Et ça joue toujours. Corner, deuxième poteau, ballon finalement récupéré par le joueur de Guédiaï face à très belle défense. Très belle défense de Cheikh Abdou, mais finalement la balle qui sort en touche. Et c'est une touche pour Guédiaï. Touche rapidement jouée, ballon récupéré par Léon Dong qui, sur un mauvais dégagement, Guédiaï qui, jusqu'à présent, joue dans le camp coréen. Touche rapidement jouée. Ça joue toujours. Pressing toujours de Cheikh Abdou qui finalement commet la faute. Sur le dessert numéro 25 du Guédiaï. Cheikh Abdou, un joueur très généreux dans l'effort. Il est au four et au moulin. Couvrant excentré pour le Guédiaï, c'est Gomis qui va s'en charger. Gomis qui met ce ballon dans la boîte, ballon dévié par Mekor de la tête, ça revient contré par Faye Abdoulaye Faye, ça joue toujours dans la surface coréenne. Couvrant, faute commise sur ballon de le capitaine des Insulaires. C'est Alfred Gomis qui va jouer, ballon rapidement joué à Alfred Vera, Aboubakirine Diouf, Aboubakirine qui trouve Momar Diop, ballon pour Omar Ba, dans le pied de Omar Ba. Omar Ba, ballon trouve Omar Ba, dans la surface Guédiaï, frappe. Ballon contré, corner, frappe de, contré par Babacar Diop, un défenseur très solide, bien présent. Et corner pour les Insulaires, ballon d'œil, c'est ballon d'œil qui va s'en charger. Corner rapidement joué, ballon qui revient dans les pieds de Cheikh Abdou Diop, Cheikh Abdou. Ballon récupéré par Almami, ça joue toujours. Ballon pour Papi Alassane, Papi Alassane qui trouve Almami en profondeur. Belle sortie de Alfred Gomis, qui sort ce ballon, qui obtient la faute. Quelle sortie du gardien insulaire, Saliwa? Effectivement, Alfred qui était en position de libéraux, il a été vigilant. Effectivement, il a été très vigilant sur son contre-attaque. Bon, je vous rappelle que Gore et Guédiaï ont le même nombre de points, mais Guédiaï est en dessus du point de vue goal différence, comme on le dit. Mais quand même, Gore qui a un match en retard, c'est juste pour vous dire que c'est un match pour le haut du tableau, choc de la 12e journée. Et on voit Alfred qui se fait soigner. J'espère qu'il n'a rien de grave. Match momentanément suspendu. Je vous rappelle que Guédiaï avait gagné son dernier match face au Jambar pour 2-1. Et l'US Corée allait battre la Linguère.
par 1-0. Donc ça promet. Alfred qui se fait toujours soigner. Toujours 0 buts partout si vous nous rejoignez ici sur notre chaîne YouTube Yozgure TV pour vous offrir ce match, ce choc de la 12e journée opposant l'Yozgure à la Guédiouaï. Ah, Alfred qui s'est finalement relevé, c'est un brave Alfred. Et c'est une relance que Léon Dong va effectuer. Léon Dong à la relance pour sur une tête de ballon à Omar Ba qui commet une faute à dos. Omar Ba qui commet une faute sur le défenseur du Guédiouaï. Toujours 0 but partout. Match très serré, très technique. C'est un match de galactique ça. Effectivement, ça un match avec beaucoup de jeux, un niveau assez élevé. François Djiba qui va se dégager. Tête de Mamadou Diatta contrée par Almami, ballon qui revient dans les pieds de Pascal. Qui joue avec Koli, Chatidjan Koli. Qui trouve Gomis en profondeur, Gomis qui va centrer. Centre, attention, reprise de volée, essayez. Et Papi Arsana qui était en position de haut-jeu. Ballon en faveur des insulaires. Tengueje qui domine ce classement pour avoir battu hier Génération Foot 4-0. Le haut de tableau est assez serré. Ballon devient par Mamadou Diop, récupéré par Mamor Sala qui joue avec Babacar Diop. Diop qui va se dégager. On récupère Papa Alsan en une touche pour Pascal. Pascal en profondeur. Passe de trop. Ballon capté tranquillement par Alfred Gomis. Gomis qui va jouer avec Aboubakir Diouf. Diouf qui se projette tranquillement. Qui va chercher Omar Ba ou bien Mamadou Diop. Ballon dévié, dégagé par Babacar Diop. Babacar Diop, joueur très présent depuis le début de match. Salut. Le défenseur numéro 4 de Guédiouaï FC. Mekor. Ballon récupéré par Colimé qui a commis la faute. Mekor, un joueur très technique qui vient de Dakar Sacré-Cœur, qui a été blessé en début de saison, mais qui commence à retrouver ses marques. Coup franc pour les insulaires, numéro 15, Léon Dong, qui va s'en charger. Au passage, on souhaite un bon rétablissement à nos blessés, Raphaël Dong, Céline Bandiaï et encore Ibrahim Osek Petit. Ça joue Abdoulaye Faye qui perd ce ballon. Ballon récupéré par Guédiouaï dans les pieds de Papi Alassane. Papi Alassane qui va essayer de trouver Pascal en profondeur. Non, il joue à l'opposé vers Almami. Tête de Mamadou Diatta, toujours présent. Solide défenseur insulaire, le numéro 5. Mamadou Diatta qui répond toujours présent. Un joueur de Guédiouaï à terre. Il se tient à la cuisse. À la mi-temps, on va remettre au vainqueur du jeu concours leur lot de maillot lors de la mi-temps, Inch'Allah. On a 3 vainqueurs qui vont recevoir, 5 vainqueurs qui vont recevoir des maillots de cette équipe goréenne. On va gagner, participer et gagner à ce jeu concours. Le joueur de Guédiouaï toujours à terre. Et on le voit saluer, ça discute entre joueurs. On va, c'est Olivier, adjoint de Moussa Diatta, appelé Abdoulaye Faye. Et le joueur de Guédiouaï qui va se relever. Je pense qu'il s'agit de Mamadou Sendiaye. C'est finalement relevé.
Et le jeu va reprendre, touche pour Guédouaï. C'est pas Modou, c'est Abdoulaye Balde qui était à terre. Ballon dévié par Papi Alsane pour Tidiane Colli. Tidiane Colli qui trouve Mamor Sall. Mamor avec Tidiane, ça joue. Tidiane qui perd ce ballon, rate sa passe. Ballon récupéré par Mendy. Ça joue dans les pieds de Papi Alsane. Papi Alsane qui parvient toujours à conserver ce ballon. Aboukrine au marquage. Papi qui trouve Pascal. Pascal qui arme une frappe, mais sa frappe qui passe largement à côté de Salio. Waouh, comme tempo, comme Magnan Ko. Ballon qui passe largement à côté début, mais c'était très bien joué. Guédouaï qui est une équipe très joueuse, comme on le connaît, qui chaque fois, Guédouaï est toujours qui petit à petit prend le dessus, qui domine sa match, mais on peut dire que Gore a obtenu les deux meilleures occasions, les plus franches. De cette première période et on joue les 30 minutes de jeu, toujours 0 but partout entre Guédouaï et US Gore. Et Alfred qui se dégage. Dégagement d'Alfred sur la tête de Maïkor pour Mohamed Diop qui joue avec Omar Ba. Qui contrôle la poitrine, donne à Omar Ngala pour Maïkor. Maïkor qui s'est fait chipper la balle. Et ça joue toujours. Aboubakrine qui finalement récupère la balle. Donne à Omar Ngala. Omar Ngala, danser Omar Ngala. Omar Ngala qui essaie de jouer avec Maïkor. Mais finalement, c'était bien joué. Mais ballon récupéré par Guédouaï qui joue dans son camp. Guédouaï qui repart derrière à chaque fois pour essayer de jouer. La tactique coréenne, et ça joue Omar Ba pour Omar Ngala, et finalement Omar Ba qui gagne une faute. Faute pour l'US Gore, toujours 0 but partout. Match très tactique. Aboubakrine sur la tête de l'âge, mais ballon finalement récupéré par Cheikh Abdou. Cheikh Abdou, Cheikh Abdou, Cheikh Abdou. Cheikh Abdou qui est très sollicité depuis ce début. Toujours 0 but partout. Et c'est une faute que Modou Diatta qui appelle les grands. Donc il tombe le bir. Ouais, le centre, c'est un corner, c'était bien joué. Waouh, Diatta, il faut lifter le ball. Tombeul, quand le ball est venu avec l'Al Moudougou, c'était bien joué, et le corner sur... La sortie du gardien, ça joue toujours, Guédouaï qui conserve la balle et il y a toujours un joueur à terre, mais quand même le jeu continue, l'arbitre qui finalement arrête le jeu. Toujours 0 but partout, match très technique, Ado. Effectivement, salut, un match de haut niveau, c'est pas pour rien que c'est le match phare de cette 12e journée de Ligue 1. Et le jeu qui reprend Gomis. Ballon dévié par Baldé. Qui vient dans les pieds de Alfred Gomis. Qui laisse le ballon à Aboubakri Diouf. Baye Noko Bondiaï. Bondiaï va avancer tranquillement. Bondiaï, joueur qui va essayer de chercher, trouver Omar Ba. Modou Sendiaï qui met ce ballon en touche. Ballon toujours insulaire. Touche pour Gore. Omar Ngalandoye Mokoy joue comme d'habitude. Très cher capitaine de cette formation insulaire, l'enfant de Gore. Le Lebu, comme il aime le dire, ballon d'oye. Et maintenant, ballon en faveur de Guédouaï FC. Modou Sendiaï, Modou. Touche de Modou. Tête de Omar Ngalandoye. Mekor qui dévie pour Mamadou Diop.
Sendiaye qui n'est pas parvenu à contrôler ce ballon, touche encore pour les insulaires. Omar Galandoye qui va trouver Omar Ba qui joue en une touche vers lui, centre de Omar Galandoye, ballon contré par Mamor Sall, tête de Abdoulaye Faye, joueur très solide. Faute de main de Modou Sendiaye, coup franc excentré pour les insulaires. Modou Sendiaye qui n'est pas d'accord avec l'arbitre, Monsieur Sandi. Et c'est Mekor, Mekor Diouf qui va s'en charger avec son pied gauche. Abdourahmane Mekor Diouf. On voit, oui, on aperçoit Olivier sur le banc qui replace les joueurs. Centre de Mekor. Mekor, second poteau. Personne à la réception. Gomis qui va laisser sa ballon tranquillement sortir. Sortie de but pour Guerilla FC. Après 36 minutes de jeu, toujours 0 but partout ici au stade Ibomar Diop. Djiba qui va se dégager. Réalement de Djiba, tête de Léon Dongo. Léon qui est fort dans les duels aériens. Faute. Faute de Omar Ba. Ballon pour Guedjoua FC. Et c'est Junior Mendy. Junior Mendy m'a joué. L'arbitre lui demande de reculer. Ouais. Junior Mendy, Junior qui va se dégager. Ballon amorti par Solomon. Il revient dans le pied de Mamoudou Diop qui dévie pour Mekor Diouf. Diouf qui parvient à passer devant Mamor Sall qui parvient toujours à amener ce ballon, toujours pour Diouf. Diouf qui a raté sa passe mais qui récupère ce ballon. Qui trouve Elhadj Arbendoye, Arbendoye vers Cheikh Abdou Diop. Cheikh Abdou à l'entrée de la surface. Tant Cheikh Abdou Diop, ballon capté par Djiba. Ballon capté par Djiba. Qui va jouer avec Solomon. Solomon, ballon contré par Abdoulaye, mais qui revient dans les pieds de Modou Seye. Seye qui va essayer de trouver Almami. Tête de Léon Dong. Ballon dans les gants de Alfred Gomis. Alfred Oukala. Wow, comme nous l'avons dit, Léon Dong, très bon joueur de tête. Il est très fort dans les airs. Tout à l'heure, Maïdé Ngaï Wachiwoko Abdoulaye Faye. Un joueur très costaud. Dans le même registre que notre très cher Raphaël Dong. Qu'on aime voir avec ses tacles, avec sa fougue. C'est un joueur de cœur, ce genre de joueur qu'on aime voir. Courage à toi, Raphaël, et on espère te voir très vite. Toi et Ibrahim Seck, il est petit, que j'ai vu tout à l'heure. Toujours zéro but partout. Toujours zéro but partout entre les deux équipes. Ça joue toujours du côté de Guedjoua. Gore qui gagne une touche. Touche que Omar Ngala va jouer sur, dans les pieds de Mekor. Mekor qui joue très 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 technique. Qui joue avec Omar Ba. Omar Ba dans ses œuvres qui accélère. Mais finalement est rattrapé. Bien joué. Bon retour du joueur de Guedjoua. Et ça joue toujours. Toujours 0 but partout. Toujours. Ah, l'arbitre qui estime qu'il n'y a pas de faute. Mekor, Mekor qui essaie de lancer Mamoudou Diop, la sortie du gardien. Et ça joue toujours. Descopage entre le joueur Gore et le gardien de but. Zéro but partout. Alors, comme tu l'as si bien dit, à la mi-temps, Dinen. Décerné gagnant, nous jouons au concours. Nous jouons au concours, nous avons gagné le meilleur officiel de page de l'équipe US Gore. À savoir, il y avait 3 gagnants sur la page Instagram et 2 gagnants sur la page Facebook. Nous allons remettre ce maillot officiel.
Djiba et Adama Ndoye, toujours à terre. Les deux joueurs se sont télescopés. Ils ont reçu des chocs à la tête. Ils reçoivent des soins de leur équipe médicale respective et des sapeurs-pompiers. Je pense qu'il y aura un temps additionnel assez conséquent dans cette première période. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeux, mais il y a eu beaucoup d'arrêts dans cette première période. Djaraf et Wakam qui sont neutralisés hier, ici même au stade Omar Diop. 0 buts partout. Le TFC, Tenguet FC qui a battu Génération Foot 4-0 avec un triplé signé Mbaye-Jacques Ndiaye. Tenguet qui occupe la première place du championnat avec 21 points. Ballon toujours, Léon Dong qui récupère ce ballon. Ça joue toujours Papi Alassane qui obtient la faute. Papi Alassane, un joueur très technique lui aussi, le numéro 2 de Guéva. Et ça chauffe dans les terrains, ça se voit entre Léon Dong et Papi Alassane. Un match, comme je l'avais dit, ouais, ça chauffe entre Léon Dong, un joueur très solide, et Papi Alassane, le numéro 8 de Guéva. Il n'y a que ce match parce que c'est un match assez rythmé avec beaucoup d'intensité, on peut dire, Salio. Effectivement, beaucoup de bagarres, beaucoup d'intensité. Comme nous l'avons dit au début du match, c'est un match de galactique entre les deux équipes. Il y a une équipe qui est d'une main. Waouh! Je vous rappelle que Gore va jouer son match en retard. Contre Génération Foot au stade La Djor, ça sera le 20, Inch'Allah. Moi, je suis en retard de la deuxième journée, si je ne me trompe pas. Et ça joue toujours 0 but partout. La longue balle est la sortie de Alfred. Alfred qui temporise, qui joue avec. Son défenseur, Léon Dong qui se dégage sur la... Ah, Léon Dong qui finalement obtient une faute. L'arbitre qui revient à la faute. Toujours 0 but partout. Coup franc pour les insulaires. Léon Dong m'a joué vers El Hadj Ndoye, ballon repoussé par Modou Sendiaye, créant le pied de Papi Hassan. Attention, je ne sais pas s'il a tenté une frappe ou bien, mais bon. Et l'arbitre qui montre 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes de temps additionnel, Salio. Ouais, 3 minutes de temps additionnel pour ce match. Opposant Liège Gore face à Guédio FC, toujours 0 but partout. 3 minutes de temps additionnel. Corner, Alfred qui s'est raté sur sa prise. Et on remercie le Jivova qui, avec la Ligue sénégalaise, ont procédé ce mercredi à la remise symbolique des ballons de compétition à l'ensemble de ces clubs. Chaque club de Ligue 1 et de Ligue 2 a ainsi reçu un lot de 30 ballons. Désormais, tous les clubs de la Ligue vont jouer avec les mêmes ballons de la marque Jivova Salio. Oui, effectivement, comme tu l'as si bien dit,
on remercie la marque Jivova pour ce beau geste. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait revaloriser ce championnat, notre très cher championnat de Ligue 1. Beau geste de la part de Jivova. On vous dit merci pour ce partenariat et ensemble pour le football sénégalais. Et on dit aussi bonne chance à nos Lions qui vont démarrer leur camp demain, Inch'Allah, face à la Gambie. Nos compatriotes, nos voisins, espérons qu'on va faire une très belle entrée à Ado. Ouais, effectivement, Saliou, c'est tout ce qu'on leur souhaite, l'équipe du Sénégal, de nous ramener cette seconde étoile. Et ça joue ici au stade Ibomar Diop, qui va essayer de jouer tête de Léon Dong. Léon qui prend beaucoup de ballons aériens, il gagne presque tous ses duels aériens, Léon Dong. Omar Galando au marquage avec Modou Sendiaye. Ouais, bien, effectivement, faute commise par le latéral de Guédiouaï, faute de main. Coup franc pour les insulaires. La fin de cette première période ne va pas tarder. L'arbitre avait montré tout à l'heure 3 minutes de temps additionnel. Alfred Gomis qui demande à Léon Dong de monter un peu. Alfred Oukala, Alfred, dégagement de Alfred Gomis vers Mamadou Diop. Tête de Junior Mendy, ballon qui vient dans les pieds. Léon Dong, tête de Léon Dong, ballon pour Mekor. Mekor Diouf. Ballon récupéré par Adam Ndoye qui joue avec Abdoulaye Faye. Abdoulaye Faye en une touche vers Mamadou Diop. Mamadou Diop face à Junior Mendy. Mamadou Diop est taclé de Junior Mendy qui commet la faute sur Mamadou Diop. Junior Mendy va écoper du premier carton jaune de ce match. Le défenseur central, le numéro 3 de cette formation de Guédiouaï. Effectivement, parce qu'il a cassé une action dangereuse sur l'attaquant en forme des insulaires, Mamadou Diop, auteur de 4 matchs, 4 buts en 4 matchs. Un peu excentré sur la ligne. On va dire que donc, je pense que la dernière occasion sera Gorène. C'est un match assez rythmé, assez ouvert, avec beaucoup d'intensité et de jeu. On sent une petite domination de cette équipe de Guédiouaï. Mais on peut dire aussi que c'est Goré qui a eu les occasions les plus dangereuses. Goré qui a été plus dangereux devant le but. Mais les joueurs de Guédiouaï ont beaucoup plus les pieds sur le ballon. Mais on peut dire que, en somme, que c'est un match assez équilibré, assez rythmé. Aujourd'hui, les supporters ne vont pas se plaindre. Coup franc, et c'est Mekor Diouf qui va s'en charger. Mekor, premier poteau. Mekor qui frappe directement. Ballon boxé par Djeba dans la surface. Ballon frappe de race contré par le défenseur de Guédiouaï. Et l'arbitre siffle la fin de cette première période de Saliou. Effectivement, toujours 0 but partout. Après 45 minutes de jeu plus 3 minutes de temps additionnel. Match de cette 12e journée, toujours 0 but partout. On vous dit tout à l'heure et on revient à la pause pour ce match de cette 12e journée. On vous dit tout à l'heure et à tout de suite pour la deuxième période.
Manchek. Et c'est reparti pour cette seconde période. Goré à l'attaque. Ballon récupéré par Omar Ngala. Omar Ngala qui joue avec Maïkor. Maïkor passe à deux joueurs. Maïkor qui gagne une touche. Si vous venez de nous rejoindre, zéro but partout entre les deux équipes. Guédiouaï qui... Ça joue, ça, c'est reparti. Papi Alsana qui laisse le ballon tranquillement sortir. Touche pour Guédiouaï FC. Modou Sendiaye pour Papi Alsana. Ballon dégagé par Aboubakri Ndioufa. Repris par Modou Sendiaye, capitaine de cette formation de Guédiouaï. Quelle belle action de Modou Sendiaye qui est parvenu à maîtriser ce ballon. Tête de Aboubakri Ndioufa, ballon qui vient dans les pieds de Mekor Diouf. Mamour Sala qui intervient et qui commet la faute sur Mekor Diouf. Et c'est reparti, si vous venez de nous rejoindre. Zéro but partout, match phare de cette 12e journée de Ligue 1. Mekor Diouf à terre. Il montre à l'arbitre le coude. Bondiaye, Aboubakri Diouf, Bondiaye, mon jeu couvrant. Aboubakri qui joue rapidement avec Léon Dong. Léon qui va jouer à l'opposé vers Omar Ngala Ndoye. Omar Ngala Ndoye, ballon sorti en touche. Touche pour le Guédiouaï FC. Modou Sendiaye qui joue avec Papi Hassan. Papi Hassan joue très technique lui aussi. Ça charbonne au milieu. Dégagement de Modou Sendiaye. Mauvais regard de Modou Sendiaye. Ballon qui vient dans les pieds de Cheikh Abdou Diop. En une touche, mais qui rate sa passe. Ça revient pour Modou Diop. Tête de Modou Diop. Ballon Armando. Ça revient dans les pieds de Omar Ngala. Jeu assez bourré actuellement. Ça vient des deux côtés. Tête de attention. Télescopage entre les deux joueurs. Insulaire, Aboubakri Ndioufa, Abdoulaye Faye. Modou Sendiaye pour Papi Hassan. Papi Hassan, quelle élégance, regardez ce joueur. Adama Ndoye pour Mamadou Diatta, attention à ses passes. Intercepté par Almami qui joue avec le numéro 21. Ballon récupéré par Léon Dong. Léon pour Mamadou Diop qui essaie de dévier pour Cheikh Abdou, mais qui met ce ballon en touche. Touche. Cheikh Tidiane Koli, Gomez qui joue rapidement avec Koli. Ballon contré, Almami qui dévie. Il est dans le pied de Bondiaye qui rate sa tête. Omar Ngala Ndoye au marquage. Bondiaye qui revient sur le ballon. Faute. Faute commise par Abdoulaye Baldé sur Bondiaye à Aboubakri Ndioufa. Aboubakri Ndioufa, communément appelé Bondiaye. Donc, il faut se familiariser à ce nom, Bondiaye. Alfred avec, qui joue avec Léon Dong. Dong qui trouve Aboubakri Ndioufa, Bondiaye. Aboubakri Ndioufa qui joue à l'opposé vers Cheikh Abdou Diop. Contrôle de Cheikh Abdou Diop, amorti de la poitrine. Qui est surtout attaqué. C'était une très belle initiative de Cheikh Abdou Diop, mais ballon. Intercepté par Babacar Diop. Il est très solide ce défenseur de Guédiouaï, le numéro 4, Papi Alsan. Mais regardez l'élégance de ce joueur. Quelle action de Papi Alsan. Attention à cette occasion. C'était tellement bien passé. Oh, mais ça fait du plaisir de le voir jouer. Papi Alsan. Papi Alsan Diop, le numéro 8 de Guédiouaï FC. Mais il est très talentueux, ce jeune homme. Très à l'aise, ballon pied. Il nous régale depuis le début de cette rencontre. Papi Alsan Diop, c'est un joueur à suivre. Dégagement de Junior Mendy. Omar Ngala Ndoye, rate sa passe. Ballon récupéré par Modou Sendiaye. Joli tackle de Abdoulaye Faye qui met ce ballon en touche. Effectivement, joli tackle de Abdoulaye Faye. Tackle à la Raphaël Ndong. Comme tu as l'habitude de le dire. Raphaël Ndong, notre Casemiro, qu'on salue. Et ça joue toujours 0 but partout entre les deux équipes. Match plutôt comme nous commencé le premier temps, nous l'avons commencé, mais le rythme a un peu baissé. Espérons que
à tout moment, faute de Mamoudou Diatta sur le joueur numéro 7 de Guédiawaye du nom de Almami Sagna. Et c'est une faute que Guédiawaye gagne dans le camp Gorenya. Et toujours 0 but partout entre ces deux équipes. Couvrant à côté de la ligne médiane pour Guédiawaye FC, c'est Gomis qui va s'en charger. Gomis, le numéro 25. Maurice Valentin Gomis, centre de Gomis dans la surface insulaire. Attention à ce ballon, capté tranquillement par Alfred Gomis. Alfred qui se saisit tranquillement ce ballon et qui va se dégager, mais qui rate son dégagement. Ballon récupéré par Toué qui joue avec en 1-2 avec Papi. Mais Toué qui a complètement raté sa frappe. Ballon qui est passé au-dessus des cadres. Est sorti de but pour Goré. Alfred qui joue avec Léon Dong. Dong qui va essayer de trouver Adam Ndoye ou bien Mamadou Diop. Amorti de Mamadou Diop. Ballon qui revient dans les pieds de Cheikh Abdou Diop. Cheikh Abdou qui élimine deux. Mais ballon intercepté par Koli. Récupéré par Adam Ndoye. Et là c'est Adam Ndoye qui combine avec Cheikh Diop. Mais Babacar Diop qui s'interpose, qui dégage ce ballon. Un défenseur très solide, M. Babacar Diop, présent depuis le début de cette rencontre, Salio, le numéro 4 de Guédiawaye. Effectivement, c'est un joueur très solide. On a de très beaux joueurs dans ce championnat, à l'image de Babacar Diop, joueur très solide défensivement. Toujours 0 but partout entre les deux équipes. On espère que un but va décanter ce match. Toujours 0 but partout. Et c'est une faute. Faute de François, le gardien de Guédiawaye FC, va effectuer la relance sur la tête de Abdoulaye Faye. Une bagarre au milieu. Et Goret Adama qui perd la balle et ballon finalement récupéré par Maïkor. Joli contrôle de Maïkor qui élimine son vis-à-vis qui est finalement gagne une faute. Maïkor, un joueur très disponible qui n'hésite pas à replacer ses compatriotes. Faute de Omar Ba sur Modou Seyndiaye de sa numéro 18. Toujours 0 but partout. Et c'est là la lance. Ça joue toujours dans le cadre. Ballon récupéré par Abdoulaye Faye. Après une rude bagarre. Ballon finalement perdu. Récupéré par Guédiawaye FC. Qui, dès l'entame de cette deuxième période, comme il l'avait fait en première période, pose le pied sur la balle et joue toujours, mais n'arrive toujours pas à se créer des occasions franches. À part ce premier tir en première période, ce coup de pied arrêté, sorti in extremis par le gardien goréen Alfred. Mais à part ça, toujours rien pour Guédiawaye FC. Et le dégagement d'Alfred sur la tête de Adama qui dévie, ballon récupéré par Mamadou Diop, Ruth Bagar, ballon récupéré par Cheikh Abdou, le centre de Cheikh Abdou, deuxième poteau, ballon dégagé, récupéré par Abdoulaye Faye, deuxième ballon pour Maïkor qui joue avec Abdoulaye Faye qui décale pour le ballon finalement perdu, et c'est récupéré par Léon Dong qui joue avec Aboubakrine Diouf qui joue avec, bien joué, avec Bakrine qui joue avec Omar Kala. Omar Kala qui élimine et qui joue avec Omar Ba qui fixe, Omar Ba qui accélère. Omar Ba qui obtient une faute. Faute bien joué par Ousseir Omar Ba. Quelle belle séquence de Zinseler Salio. De petits jeux, de belles occasions, de belles actions. Ça montre qu'ils sont en confiance, ces joueurs de Goré. Et Omar Ba qui a pu conserver ce ballon, obtenir la faute. Couvrant un peu excentré pour les insulaires et c'est Maïkor qui va s'en charger avec son pied gauche.
C'est Mekor Diouf. Mekor Diouf, moi j'ai coup franc. L'arbitre qui fait le gendarme dans la surface. Mais de Mekor. Mekor, premier poteau. Ballon dégagé par Junior Mendy. Omar Ba au charbon. Qui parvient à récupérer ce ballon et obtenir la faute. Omar Ba, quel joueur? Le numéro 10, 12 de Gore. Bon retour de Omar Ba. Qui a récupéré le ballon et obtenu la faute. Et Bondia qui joue rapidement avec Omar Ngala Ndoye. Omar Ngala, centre du pied droit dans la voie de second poteau, sorti de Djiba. Qui capte tranquillement ce ballon. François Djiba. Djiba qui va se dégager, qui pose le ballon. Djiba qui gagne du terrain, qui avance tranquillement. Djiba qui va finalement jouer, mais qui rate son dégagement et met ce ballon en touche. Ballon rapidement joué par Mamadou Diatta vers Mamadou Diop. Diop. Ouais, touche toujours pour Goré. Ballon toujours pour Luis Goré. Et ça continue de jouer aussi. Mamadou Diatta, Jadamondoye, Babandoye qui joue avec Mamadou Diatta. Léon Dong qui joue avec son gardien Alfred Gomis. Alfred qui va jouer avec Boindiaye. Ça élabore du côté insulaire. Aboubakrine qui a un peu manqué son contrôle et qui met ce ballon en touche. Effectivement, Aboubakrine qui reste au contrôle, mais au profit des Guédouaï qui combine bien sur le centre, le dégagement, et c'est le deuxième ballon, et ça, frappe manquée, ça a failli faire mouche, et ballon toujours coréen. Ablaye Faye qui essaie de trouver Mamadou Diop, mais finalement, ballon récupéré par jolie récupération. Cheikh Abdou, toi aussi. Mais ça joue toujours. Toujours 0 but partout. Goré qui a compris que, qu'il ne fallait pas laisser Guédouaï jouer. Et on note beaucoup plus de présence des joueurs coréens qui posent le pied sur le ballon, qui essaient de jouer. Comme cette œuvre, Mekor qui cherchait Cheikh Abdou, mais finalement ballon perdu, récupéré par Omar Ngala sur la poitrine. Joli contre de Omar Ngala qui joue avec son défenseur Aboubakrine. Aboubakrine qui joue avec Abdoulaye Faye. Abdoulaye Faye qui cherche la profondeur, qui cherche Mekor. C'était très bien joué. Jolie séquence comme toujours, mais finalement ballon qui finit en touche. Toujours 0 but partout. Entre ces deux équipes, Goré qui essaie de monter d'un cran dans cette deuxième période, toujours 0 but partout. Ballon récupéré par Alfred qui joue avec Léon Dong. Léon Dong pour Mamadou Diatta. Diatta qui allonge, cherche dans la profondeur Mamadou Diop, notre buteur maison qui a 4 buts au compteur. Toujours 0 but partout, ça joue toujours. Guédouaï qui élabore petit à petit, mais finalement perd la balle au profit de Léon Dong. Léon Dong qui allonge toujours, qui cherchait Mamadou Diop dans la profondeur. C'était mal joué, mais ça joue toujours. Toujours 0 but partout. Et c'est une faute. Arbitre qui estime que le capitaine des insulaires, Omar Ngala, a commis une faute. Le défenseur numéro 9, Abdoulaye Baldé. Et c'est Modou Sey Ndiaye qui va effectuer. Coup franc sur la ligne médiane pour Guédouaï FC. Modou Sey Ndiaye, capitaine Mimo qui joue. Modou Sey Ndiaye, ballon premier poteau repoussé par Omar Ngala Ndoye. Ça revient tête de colis. Faye dans le pied d'Abdoulaye Faye maintenant. Cheikh Abdou Diop. Ballon intercepté par Babacar Diop. Diop qui joue avec Mamor Sall.
Mamor qui joue en une touche. Ballon, attention à ce ballon dans la surface insulaire. Repris par les Gorins, joué par Léon Dong vers Cheikh Abdou Diop. Cheikh Abdou qui met Armando en profondeur. Elage Armando face à Tidiane Colli. Ndoye, Tidiane Colli qui récupère le ballon. Ballon pour Toué. Toué qui progresse. Toué, quelle passe de Toué qui essaie de mettre Papi en profondeur, mais Diatta qui s'interpose et qui met ce ballon en corner. C'était une jolie passe de Solomon Toué. Un corner pour Guédéwa FC. Guédéwa qui a obtenu beaucoup de corners lors de cette rencontre. Corner pour Guédéwa. C'est Gomis qui sera à la baguette. Valentin Gomis. Gomis, centre de Gomis, tête de Aboubakri Diouf, le ballon qui revient dans les pieds de Gomis. Gomis face à Cheikh Abdou. Cheikh Abdou qui effectivement qui connaît la faute, qui commet la faute sur Valentin Gomis. Et Cheikh Abdou Diop qui va écoper d'un carton jaune. Le deuxième carton, ça lui aussi, je ne me trompe pas, de cette rencontre. Effectivement. Après Junior Mendy, Cheikh Abdou qui a commis une faute. Mais quand même, c'est, comme on a l'habitude de le dire, excès d'engagement. On ne peut pas le reprocher aux joueurs. Et Guédéwa FC qui va effectuer ses premiers changements. Toujours des rubis partout. Premier poteau, dégagement de Mamoudou Diatta. Cheikh Abdou qui accélère pour faire le premier pressing. Omar Ba au pressing. Joli pressing des Coréens qui a mauvaise relance de Léon. Et ça joue toujours. Toujours 0 but partout. Goré qui se dégage. Toujours 0 but partout. Guédéwa. Qui joue dans l'aile. Ça joue, les joueurs qui réclament une touche, mais ça joue toujours. Toujours 0 but partout entre les deux équipes. Et Guédéwa est toujours la balle. Joli tackle de notre capitaine. Faute sur Omar Ba. Faute de Cheikh Tidiane Colli sur Omar Ba. Omar Ba qui avait fait la différence. Orba qui réclame un carton. Orba qui semble souffrir sur cette faute, qui part à l'arbitre. Ouais, c'est une faute qui méritait un carton quand même. Mais toujours 0 but partout entre les deux équipes. Et c'est l'entrée du dossard numéro 22. Kabiro Diouf.
du numéro 9, Abdouli Baldé. Entrée du numéro 22, Kabiro Diouf. Effectivement, mon très cher compatriote Ado, comme tu viens de le dire, Gore qui récupère la balle pour lancer une contre-attaque. Et faute du numéro 21, qui commet beaucoup de fautes. Le cher Tidiane Kolif. Bouyagé, arbitre, mais il y a un carton, Tamit. Hein? Cheikh Tidiane Koli, qui commet beaucoup de fautes. Toujours 0 but partout. Et on joue la 65e minute de jeu. Toujours 0 but partout. Le centre. Et c'est un corner. Gourek qui gagne un corner sur ce coup. Corner joué à l'Arénoise. Le centre sur la tête de Léon Dong. Ballon récupéré au deuxième. La frappe de Maïkor. Ah! Maïkor qui réclamait une faute. Mais finalement, c'est un 6 mètres. Dégagement sur la tête de... Il y a faute, arbitre. Arbitre, mais il y a faute, mais ça, quand même ça joue toujours. Arbitre, il y a encore faute, mais ça joue toujours. Touche, rapidement joué. Omar Ngala qui se dégage. L'omniprésent, le capitaine omniprésent, omniscient, Omar Ngala Ndoye. Qui est un enfant du club. Malentendu entre les deux défenseurs, mais finalement c'est un autre jeu. Mésentente entre les deux joueurs goréens. Ado qui a failli faire mouche, mais heureusement que c'est un autre jeu. Heureusement pour Goré et malheureusement pour Guédiouaïa. Effectivement, le nouvel entrant, Kabiro, a été signalé en position de hors-jeu. Mais c'était une très belle séquence de Guédiouaïa FC. Et ça va jouer du côté de Goré, Alfred Oukala, Alfred Gomis, qui va essayer de trouver Mamadou Diop. Diop qui dévie ce ballon, mais qui commet la faute, ouais. C'est appuyé sur le défenseur de Guédiouaïa. On remarque beaucoup de coups sifflés lors de cette seconde période. Un moins d'intensité par rapport à la première période. François Djiba. Djiba qui va essayer de trouver le entrant Kabiro, tête de Boindiaye, ballon qui revient dans les pieds de Toué. Dégagement de LHG Adamondoye. Déviation de Babacar Diop, ballon qui revient dans les pieds de Gomis. Gomis qui va se dégager à son tour et qui obtient la faute. Omar Ba, ballon dans les pieds de Omar Ba, récupéré par Mourousse. Non, toujours Omar Ba qui est parvenu à contrôler ce ballon. Qui a trouvé Boindiaye qui s'est dégagé. Déviation de Aramundo vers Maïkor qui dévie pour Mamadou Diop. Dégagement de Babacar Diop. Ballon qui revient pour Omar Ba en une touche vers Mamadou Diop. Effectivement, qui a été signalé en position de hors-jeu de Mamadou Diop. Mais c'était une très belle séquence des insulaires. Avec une tête de Omar Ba vers Mamadou Diop. Mais qui était malheureusement en position de hors-jeu. Ballon pour Guédiouaïa FC. Ouais, ballon pour Guédiouaïa FC. Egore qui va effectuer son premier changement lui aussi. L'entrée du doyen Ousmane Menga. Ousmane Menga qui va bientôt fouiller la pelouse à la place de peut-être Omar Ba ou Cheikh Abdou. Si je ne me trompe pas.
on voit le coach adjoint Olivier qui donne des consignes à Ousmane. Ousmane qui a été plutôt décisif la plupart lorsqu'il entre en jeu. Ouais, et c'est la sortie de Cheikh Abdou Diop au dossard numéro 10 et l'entrée de Ousmane Maenga au dossard numéro 7. Cheikh Abdou qui sort, qui cède sa place à Ousmane Beng. Cheikh Abdou qui a fait une bonne première période quand même. Même s'il a un peu disparu dans cette deuxième période. Force à toi Cheikh Abdou. Et le doyen Ousmane Beng qui récupère son brassard, comme il aime le dire. C'est ma capitaine. Bi. En tout cas, beau geste de la part d'Omar Ngala. À chaque fois que Ousmane Meng entre en jeu, il vient le remettre automatiquement le brassard. Et c'était plutôt bien tenté sur cette combinaison qui a failli faire mouche. Mais on a notre gardien, Alfred Gomis, qui gère les buts. Et sur le dégagement, deuxième ballon récupéré par Guédia Essé qui joue le fair play. Omar Ba qui semble être blessé après avoir reçu le coup de tout à l'heure sur Cheikh Tidiane Koli. Depuis lors, il semble être blessé. Toujours 0 but partout. Et on joue presque la 68e minute de jeu. Toujours 0 but partout entre ces deux équipes. Le match est momentanément suspendu. Omar Ba qui s'est fait soigner. On voit le coach Moussa Diatta qui parle à Omar Ngala Ndoye. Waouh! On salue de passage monsieur Si Mbaye Ababakar Si. Mbaye Si, comme on le connaît, qui est le coordinateur des supporters. Et comme j'ai l'habitude de le dire, bepp supporter goré wala bepp nit buy supporter goré bu bëgg ci mayo yi na jaar ci mom contacté ko, dina am mayo officiel équipe bi. Et le jeu continue toujours. Faute de Cheikh Tidiane sur Abdoulaye Faye. Et c'est Abou Bakrim qui va se charger de cette relance. Qui joue très rapidement pour Omar Ngala. Omar Ngala qui derrière Maïkora. Qui gagne une touche. Bien joué Maïkora. Ouais, Maïkora qui est bien dans son match lui aussi, le numéro 18 de Gore. Et ça joue rapidement pour Ousmane Meng, le nouvel entrant. Le doyen de cette équipe qui retrouve Maïkora dans la surface. Centre de Maïkora. Ballon dévié par Gomis qui revient dans les pieds de Omar Ba. Omar Ba qui va essayer de centrer. Ballon récupéré par Gomis qui va se dégager vers Papi Hassana. Mais Léon Donga qui intervient, qui remet ce ballon. Tête de Babacar Diop, ça revient dans les pieds de Solomon Toué qui va essayer de trouver Diop, Bakari Diop, Kabiro, autant pour moi. Kabiro, ballon toujours pour Guéwa. Kabiro qui trouve son capitaine Mourousse qui va jouer avec Toué, Solomon Toué. Gueva qui élabore tout vers Papi Hassan. Hassan qui reste son contrôle, mais ça continue. Heureusement que Boendia était vigilant. Heureusement que Aboubakar Ndouva était vigilant. Mais c'était une belle séquence de cette formation de Gueva FC. Sortie de but pour Louis Gore. Alfred Gomis qui va se dégager.
Alfred de Oukala. Dégagement de Alfred vers Mamadou Diop. Mais tête de Junior Mendy, ballon dans les pieds de Salomon Toye, récupéré par Abdoulaye Faye qui joue avec Léon Dong. Dong, ballon dévié qui revient pour Adam Ndoye. Adam Ndoye en une touche vers Ousmane Meng. Ousmane qui joue avec Abdoulaye Faye. Faye pour Omar Ngal Ndoye et ça joue, ça élabore du côté insulaire. Ballon dans les pieds de Abdoulaye Faye, toujours pour Golé. Abdoulaye Faye qui trouve Meko retenu par Mamour Sall. L'arbitre siffle une faute contre Mekor. Bah sincèrement, salut, moi je comprends pas. Ouais, la règle football, il faut changer. Mais c'est le joueur du Guédia FC qui a commis la faute. Mais quand même, vu que l'arbitre c'est le maître du terrain, on respecte ses décisions et ça joue toujours. Belle déviation. Oh, c'était bien joué. Il y a une équipe qui n'a maintenant une trop. Il faut exploiter ses occasions à fond. Mais toujours zéro but partout. Dégagement de Alfred sur la tête d'Omar Ba. Omar Ba qui dévie pour Momo Diata. Momo Diata qui gagne du terrain. Momo Diata, le centre de Momo Diata. Finalement, ballon dégagé et récupéré par le joueur de Guédiouaï qui cherchait la profondeur. Mais finalement, Omar Gala qui veille au grain, qui sort la balle en touche. Toujours zéro but partout. Ado, on voit que le rythme du match a diminué parce que les 22 acteurs se sont donnés à fond. Mayente Wundara. Effectivement, Saliou, par rapport à la première période, le rythme a assez diminué. Mais il y a toujours du spectacle, ça joue toujours. Dégagement de Junior Mendy. Omar Ngal Ndoye qui va laisser ce ballon sortir tranquillement. On va assister en double changement du côté de Guédiouaï FC. Changement du côté de Guédiouaï FC. Sortie du numéro 7, Almami Sagna. Entrée du numéro 10, Serigne Fallou Ndiaye. Sortie du numéro 8, Papi Hassane Diop. Entrée du numéro 19, Lamine Meng. Effectivement, ouais. Papi Hassan, le dossard numéro 8, ouais, qui a effectué une très belle prestation, qui est à l'aise techniquement. Un joueur qu'on aime voir jouer, même s'il est de l'équipe adverse, mais quand même, c'est le football. Ado, comme je te le disais tantôt, nos Lions vont défendre leur titre demain, Inch'Allah, face à la Gambie, nos compatriotes gambiens, Saman Bokay, Manglin Dunuyu. Mais on espère que demain on va gagner le match, Inch'Allah. Ce sera à 14h GMT. C'est tout ce qu'on leur souhaite, Saliou, de nous ramener cette seconde étoile. Ici du côté de Ibomar Diop, toujours zéro but partout entre l'US Gore et le Guédiouaï FC. Un joueur de Guédiouaï à terre. Joueur de Guédiouaï, je pense qu'il s'agit de Junior Mendy, effectivement. C'est lui, Junior, qui reçoit des soins de son staff médical. Il s'est finalement relevé, Junior Mendy, défenseur central de cette formation de Guédiouaï. Et le jeu va reprendre. Je pense à lui que Goré aussi va procéder à un autre changement. Je vois Foré discuter avec Olivier. Effectivement, Goré va bientôt effectuer un autre changement. Ce sera son deuxième changement. Foré qui va faire son entrée durant cette deuxième période. Et ça joue toujours. Ballon récupéré par le numéro 10, le nouvel entrant. Joli contrôle. Il joue avec Mamour Sall. Mamour Sall qui élabore. On voit le numéro 10 qui est très remuant, très à l'aise. Balle au pied. Finalement, Gouré va effectuer un double changement. L'entrée de
Serigne Fallou Sow et de Fodé Goudiaby. Serigne Fallou au dossard numéro 14. Je pense qu'il va remplacer Omar Ba. Je pense bien, je ne me trompe pas. Serigne Fallou. Et qui va faire son entrée. Ouais, et finalement c'est Omar Ba qui sort. Omar Ba qui sort. Omar Ba au dossard numéro 12 et la sortie de Elhadj Adama Ndoye au dossard numéro 6. Ou bien je me trompe pas? Ouais. Le changement qui tarde à se faire. Finalement, Omar Ba qui sort, qui cède sa place. Omar Ba qui cède sa place à Serigne Fallou Sow sur ce corner. Ouais, Ras qui a l'air de souffrir après ce choc reçu. Ras qui s'est fait applaudir par les supporters goréens qui ont fait le déplacement. On salue aussi le 12e gagné corner. Point de pénalty et Léon Dong qui se dégage. Fodé qui va bientôt faire son entrée en jeu et toujours corner à nouveau. Corner sur le point de pénalty, dégagement. Deuxième ballon récupéré par les Goréens. Dégagement. Et finalement, Goré qui gagne une touche. Et finalement, le chemin va s'effectuer. L'entrée de Fodé Goudiaby. Et c'est la sortie de Elhadj Adama Ndoye. Bon match, petit. Elhadj Adama Ndoye. Entrée du numéro 8. Fodé Goudiaby. Fodé pour ses premières balles. Fodé qui joue avec. Et ça joue toujours. Déviation. Serigne Fallou Sow. Serigne Fallou Sow qui finalement perd la balle. Joli contrôle de Moumoudou Diatta. Moumoudou Diatta qui joue avec Léon Dong. Léon Dong qui se dégage sur Fodé. Cheikh Tidiane Koli au dossard numéro 21. Toujours 0-8 partout. Toujours 0-8 partout entre ces deux équipes. Léon Dong. Qui cherche et qui trouve Momo Diop, joli contrôle, qui essaye de trouver Abdoulaye Faye, mais finalement ballon récupéré par le numéro 10, le nouvel entrant de Guédiouaye, qui décale, qui joue avec Cheikh au dossard numéro 21. Guédiouaye qui joue, toujours 0-8 partout, et ballon finalement, ça joue toujours, ballon pour les joueurs de Guédiouaye, dans le cas coréen. Et qui finalement gagne une touche. Toujours 0-8 partout entre ces deux équipes. Et on joue. Ça joue toujours. Le centre au deuxième poteau. Dégagement. La frappe contrée. Ça joue toujours. Dégagement d'Ousmane Meng. Toujours 0-8 partout entre ces deux équipes. Bien joué. Serigne Fallou qui perd la balle aussitôt. Ballon récupéré pour les joueurs de Guédiouaye. Guédiouaye qui s'est installé dans le camp goréen. Qui se joue toujours. Guédiouaye qui cherche, qui veut trouver la faille. Et qui finalement gagne un corner. Corner pour Guédiouaye. C'est Guédiouaye qui met la pression. Qui essaie de trouver la faille. Mais Goré garde ses cages toujours inviolées.
le 2-0 but partout. Et c'est un corner. Corner sur le point de pénalty. Deuxième ballon pour récupérer par le numéro 10, le nouvel entrant qui arbitre qui estime qu'il n'y a rien. Ça joue dégagement. Récupéré par les joueurs de Guédiouaï. Long ballon. Tête de Omar Ngala qui finit en touche. Toujours 0 but partout. Guédiouaï qui maintient la pression dans le camp coréen. Ado. Guédiouaï qui essaie de marquer. Ouais, salut Guédiouaï. Guédiouaï qui met un coup de pression dans les buts coréens. Ça joue. Ballon récupéré par Mekor Diouf avec Omar Ngala 2. Omar Ngala qui trouve Ousmane Meng. Ballon contré par le capitaine de Guédiouaï qui met ce ballon en touche. Touche pour les insulaires. Guédiouaï qui continue de pousser. Ça joue Aboubakri Diouf vers Momodou Diop. Ballon repris par Junior Mene qui revient dans le pied. Mekor Diouf qui résiste toujours. Et l'arbitre qui revient sur la faute. Quel joueur ce Mekor, le numéro 18 de cette formation insulaire. Couvrant pour Gorée. Ballon rapidement joué. Passe de trop, passe de Bondiaï qui a glissé. Lui qui cherchait son compatriote Abdoulaye Faye. Sortie de but pour Guédiouaï FC. On est à la 88e minute de jeu. Toujours 0 but partout ici au stade Ibomar Diop de Gorée. Tête de Aboubakri Diouf, ballon qui revient. Tête de Modou Sendai, capitaine, dégagé par Toué. Ballon qui revient dans le pied de Serigne Fallou. Serigne Fallou au charbon, au marquage, qui récupère ce ballon vers avec Tidiane Koli, qui joue avec Momodou Diata. Diata, centre de Diata, contre corner pour cette formation insulaire. Lui aussi, qui répond à Guédiouaï FC, qui montre eux aussi qu'il en vole et qu'ils en ont dans le ventre. Gorée ne se laisse pas faire. Les deux équipes se rendent coup pour coup, on peut dire. Et c'est un corner pour les insulaires. Je pense que c'est Serigne Fallou qui va s'en charger. Ouais, le nouvel entrant, Serigne Fallou Sow. Ballon joué en une de Serigne Fallou avec Momodou Diata. Diata qui retrouve Serigne Fallou. Serigne Fallou qui essaie d'éliminer son vis-à-vis et qui obtient la faute à l'entrée de la surface. Salut. Un coup franc bien placé, on peut dire, pour Gorée. Effectivement, un coup franc très bien placé. Coup franc obtenu par Serigne Fallou. Le nouvel entrant. Espérons que ça va finir dans les buts. Comme ça, ça va réveiller le stade et les supporters coréens. Laisser leur équipe depuis le début de match. Je donne la voix, encourager. Toujours 0 but partout. Coup franc Omar Ngala à la baguette. Omar Ngala, les supporters coréens croisent les droits. J'entends dire Omar Ngala, l'arbitre qui remet de l'ordre dans la surface. Omar Ngala, le centre Omar Ngala, boxé par le gardien de but. C'était bien tiré, toujours, ça joue toujours. Finalement, c'est un hors-jeu. Mais c'était bien joué. Bien joué Omar Ngala. Toujours 0 but partout. Entre les deux équipes. Match rudement disputé. Choc deuxième, 12e journée. Ndam Demogul, Ndam Dikul. Ado, Ndam Demogul, Ndam Dikul. Le dégagement du gardien. Et temps additionnel. Temps additionnel, 5 minutes. Ouais. Temps additionnel. Comme vous venez de le voir. 5 minutes de temps additionnel. Le numéro 10 de Guédiouaï FC qui reçoit son carton jaune. Et ça joue toujours. Mauvaise sortie du gardien.
qui a failli faire mouche. Omar Gala, Ousmane Beng qui joue avec Omar Gala, le centre dévié par le gardien. Bien joué. C'était bien joué de la part du gardien François Djiba. Toujours zéro but partout. Toujours zéro but partout entre ces deux équipes. Dégagement, contrôle de Ablaïfa qui joue avec Serifa Le Sow. Qui joue, qui finalement perd la balle. Guédiouaï qui obtient une faute sur cette déviation. Et c'est le dernier changement de l'équipe de Guédiouaï. La sortie. Cheikh Tidiane Colly au dossard numéro 21. L'entrée de Matar Niang au dossard numéro 17. Zéro but partout entre ces deux équipes. Le centre, ballon capté. Ballon dans les bras de Alfred Gomis qui joue rapidement avec Ousmane Meng. Ousmane Meng. La 92e minute. Je pense que ça va être les derniers ballons. Et faute commise sur Abdoulaye Faye. On joue les derniers instants de ce match. Toujours 0 but partout. Mekor à la baguette. Mekor pour ce dernier coup de pied arrêté. Mekor à la baguette. Le centre de Mekor. La tête de Léon Dong. Ça cafouille toujours. Ballon récupéré par les joueurs Rogoré. Touche rapidement joué. Touche mauvaisement joué. Contre lancé. Léon Dong qui sort la balle en touche. Ça joue toujours Ousmane Meng. Ousmane qui joue avec Fodé. Fodé coupe contrôle qui joue avec Ousmane en 1-2. Ousmane qui lance Seigne Fallou Sow dans la zone profonde. Seigne Fallou Sow qui fixe la défense. Seigne Fallou Sow qui se va faire. Seigne Fallou Sow qui temporise. Qui donne à Ousmane Meng le centre. Deuxième poteau. C'était trop long. Dégagement. Ballon qui finit en touche. Ballon rapidement joué. Abdoulaye Faye qui se débarrasse du joueur. Abdoulaye Faye, le centre. Abdoulaye Faye contré. Goré qui pousse dans ses derniers instants. Goré qui veut marquer ce but de la victoire. Ça joue toujours. Et c'est toujours. Mésentente entre les deux arbitres. L'arbitre de touche qui avait désigné une touche en faveur
Dogoré est l'arbitre central qui estime que il y avait faute commise sur le dossard numéro 10, Serigne Fallou Ndiaye. Guédiouaï qui se relance. La tête d'Aboubakri, deuxième ballon récupéré par les Goréens, Léon Dong, qui a été finalement la fin du match. 0-0 partout entre les deux équipes. Match qui s'est soldé par un nul. Match qui s'est soldé par un nul entre Guédiouaï FC et l'US Goré. 0-0 partout. L'homme du match a été ñi wu nak dañuy def ki wala dara ñu wax kessé mom kessé ha putal micro allo appelé joueur allo Je suis avec Abdoulaye Faye, milieu terrain US Goré. Alors Abdoulaye, tay yane impression nga ñu mëna wax lan lañ jàngal mëna jàngal ci match nul bi tay contre Guédiouaï FC. Moy que match lu né mëna ci am ñun préparé wuñu won pour am match nul, on était venu pour gagner mais gis nga football mo démé ni. Voilà. Wa effectivement Abdoulaye, gis nañ né Goré dafa enchaîner 4 victoires de suite tay mu ñëw nul match bu intense ak Guédiouaï. Mëna wax Goré ren ya moy ambition am. Être en haut du tableau moy suñu ambition chaque jour ñu ci liggéey. Toutes les semaines, il est entraîné pour la fin de saison. Nous avons déjà 2 ou 3, Inch'Allah. Merci, j'étais avec Abdoulaye Diadjeuf Faye. Alors, actuellement, je suis avec Moussa Diatta. Coach de l'US Goré, alors Moussa, vos impressions après ce match? Oui, comme je l'ai dit, hein, aucun match ne sera facile dans ce championnat. Donc vous avez vu aujourd'hui, Guédiouaï est venu avec une équipe combative pour nous empêcher de jouer au niveau de l'entrejeu. Mais on a essayé de faire avec. En un moment, la première période, ça a été très dur. En seconde période, on a mis le pied sur le ballon. Mais malheureusement, eux, ils ont imposé un impact très, très, très truc pour nous empêcher d'avoir une conservation au niveau du milieu et essayer de jouer les balles longues. Donc là, nous aussi, on a essayé de gérer, tout en essayant de gérer la profondeur, en essayant d'exploiter au maximum la latéralité pour essayer de chercher la profondeur. On l'avait, mais malheureusement, ils étaient aussi costauds derrière, ce qui a valu aujourd'hui. On a joué un match très fermé aujourd'hui. Effectivement, coach, on a vu que Goré, maintenant, est plus attendu qu'auparavant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Oui, c'est normal, c'est normal. Nous aussi, on est conscients de cela. C'est pour cela que je l'ai dit même à nos jours, durant toute la semaine, que, on n'est plus une équipe dominée, mais on est une équipe dominante maintenant. Donc on a le statut d'une équipe dominante. Donc attendons-nous à des matchs très difficiles. Donc les adversaires viennent, ils ferment le jeu. C'est à nous maintenant de rehausser le niveau de jeu et d'essayer encore de chercher d'autres stratégies pour faire mal aux équipes qui vont venir. Effectivement, merci coach. Félicitations à vous. Merci à vous. Mam.
Oui, c'est mon cousin là. Qui gagne ni c'est mon cousin là. Li yo mon ele. Ana la famille. La go ndax xamona ni jouer la. Man sax eh bu nekké affaire de famille sax ma tay. Kamo ci mon dara. Wax len na kenn wax ma tay.